Merci beaucoup. Je commencerai par une citation de Herder. Herder va être le squelette de cette, la critique de Herder va être le squelette de cette intervention, et on pourra considérer Herder comme un ennemi, entre guillemets, puisqu'il est bien plus ennemi de Condillac et de, des partisans d'une origine théologique du langage, comme par exemple Süss-Milch, dont il attaque les thèses dans son traité sur l'origine de la langue. Donc je commence par la citation de Herder. « Condillac et Rousseau ne pouvaient que se tromper sur l'origine de la langue, puisqu'ils firent erreur sur une différence si connue et si tranchée, Condillac en faisant de l'animal un homme, Rousseau de l'homme un animal. » Voici donc comment il renvoie dos à dos l'abbé français et le philosophe Genevois avant de proposer une troisième voie à la querelle les ayant opposés. La critique de Herder a le mérite de pointer le lieu du questionnement sur les origines du langage, à savoir la relation ou la distinction entre l'homme et l'animal. Un siècle avant la relative acceptation des théories transformistes motivant une recherche des prémices des facultés humaines dans l'animalité, la question de l'animal et de l'humain minimal, abordée à travers des expériences de pensée ou des fictions rationnelles, voit se jouer les premiers affrontements entre évolutionnisme et anti-évolutionnisme. Or, Condillac, Rousseau et Herder s'accordent, malgré les dires de ce dernier, au moins sur un point, il y a une distinction essentielle entre l'homme et l'animal. Cet accord est toutefois exprimé différemment par les trois philosophes. Je partirai donc de la critique herderienne envers Rousseau pour ensuite aborder à travers les objections de Rousseau en ce qui concerne la question du langage chez Condillac et d'aborder aussi la réponse de Condillac à Rousseau dans une note de la grammaire. J'aborderai très brièvement la théorie de l'origine du langage de Herder, tout comme celle de l'essai sur l'origine des langues, essai non commenté par Condillac et Herder pour des raisons évidentes de chronologie. Dans son traité sur l'origine de la langue, Herder accuse donc, comme nous l'avons vu, Rousseau d'avoir fait de l'homme un animal dans le second discours. Pour le philosophe allemand, une distinction essentielle sépare les bêtes des hommes. L'animal est limité à ce que Herder appelle une sphère de l'animal qui est restreinte et qui limite, détermine l'action de l'animal. Plus la sphère de l'animal s'élargit, plus ses actions sont incertaines. L'homme, au contraire de la bête, se meut dans la sphère la plus large qu'il soit, annulant toute réelle possibilité d'instinct. L'homme est une créature de circonspection. Le terme allemand utilisé par Herder est Besonnenheit. La circonspection est une disposition distinguant essentiellement l'homme de l'animal de tout temps, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'espèce, phylogéniquement, ou de l'individu au niveau ontogénique. Herder s'oppose farouchement à l'idée d'une faculté en puissance, et il vise alors explicitement l'anthropologie rousseauiste. Il fait d'ailleurs un renvoi à Rousseau dans le traité sur l'origine de la langue. Et c'est l'homme naturel qui est visé par Herder, puisque c'est la figure rousseauiste qui peut prêter le flanc à l'accusation d'une animalisation de l'homme. Alors Herder est un amateur de citations isolées, voire même modifiées, et il peut tout à fait trouver dans le second discours de quoi alimenter sa critique. Alors je vais prendre le rôle de Herder quelques instants, puisqu'il ne le fait pas envers Rousseau, il le fait beaucoup plus envers Condillac. Mais on pourrait mentionner, un peu malhonnêtement à la façon de Herder, le fait que Rousseau, dans le second discours, je cite, « ne voit dans tout animal qu'une machine ingénieuse », alors on pourrait couper la citation et juste rajouter qu'il aperçoit précisément les mêmes choses dans la nature humaine, ou encore que, à nouveau, tout animal a des idées puisqu'elle a des sens, qu'il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et on peut rajouter alors, toujours en citant Rousseau, que l'homme diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. Ou enfin, dernière citation, que l'homme sauvage commencera donc par les fonctions purement animales. S'il est facile de contrer l'accusation d'une confusion entre l'homme et l'animal en mentionnant simplement le fait que l'homme est, comme le dit Rousseau, un agent libre, tandis que la nature opère tout dans la bête, ou encore en évoquant la perfectibilité, c'est cette caractéristique, c'est-à-dire la perfectibilité, qui n'est présente que dans l'homme et dans aucune autre espèce animale, c'est cette caractéristique qui conforte la critique herderienne des facultés en puissance et réclame une réfutation un peu plus longue. L'homme naturel, pour Rousseau, est une composante de l'état de nature qui est une double réduction théologique, puisque le temps biblique n'est pas considéré, et artificielle, l'homme étant dépouillé des caractéristiques résultant de l'état social. L'étude de l'anthropologie rousseauiste mène à l'identification de deux définitions de l'état de nature. Premièrement, un état de nature parfaitement stable et potentiellement éternel, conforme à l'entreprise du second discours. Et deuxièmement, en filigrane, un état de nature évoluant sans pour autant que cela conteste son caractère hypothétique. La bête représente l'idéal de l'animal de l'état de nature. Machine ingénieuse, nous l'avons vu, mais non pas purement matérielle, hein, ce n'est pas un corps-machine cartésien. Elle possède des sens qui non seulement l'aident, comme le dit Rousseau, à se remonter elle-même, sans l'aide des autres machines ingénieuses,
mais de plus lui permettre de se perpétuer elle-même face aux conditions et aux autres machines ingénieuses qui pourraient compromettre sa survie. Les deux principes raisonnables que sont l'amour de soi et la pitié garantissent à la machine ingénieuse son autonomie, l'amour de soi pouvant être reconduit à un vague instinct de survie, tandis que la pitié naturelle, qui n'est qu'une simple répugnance à voir souffrir une autre machine ingénieuse, éloigne plus qu'elle ne rapproche les différentes bêtes. Si l'homme naturel peut être superposé phénoménalement à la machine ingénieuse qu'est la bête, sa liberté et sa perfectibilité l'en distinguent essentiellement. L'homme, dépourvu d'instinct, doit construire son autonomie par expérience et plus particulièrement par imitation des autres animaux, à travers donc l'altérité. L'homme naturel rousseauiste est en ce point comparable à l'animal condiacien dont l'instinct est acquis par expérience et automatisé par la suite par habitude. C'est cette caractéristique qui consiste à se projeter nécessairement hors de soi qui conduit à la comparaison envers les autres animaux et aux prémices de l'amour propre, l'homme se sentant très rapidement supérieur aux autres animaux. C'est donc cette caractéristique de projection hors de soi qui fait de l'homme un rajout au système naturel et qui donne à l'homme cette caractéristique de perturbateur, de grain de sable dans les rouages du système naturel. Espèce historique par excellence, l'homme fait s'animer le tableau de l'état de nature qui devient fiction rationnelle dont la trame narrative mène à un aboutissement connu, l'émergence de l'état social et de l'inégalité. Rousseau plus ou moins disculpé de la première accusation herderienne, je vais maintenant m'intéresser, et jusqu'à la fin de cet exposé, à l'origine du langage. Nouvelle citation de Herder. Condillac, on le sait, par sa faible explication de la naissance de la langue, donna à Rousseau occasion de redonner en notre siècle de l'essor à cette question, à sa manière, en la mettant en doute. Pour trouver l'explication de Condillac douteuse, il n'était pas précisément besoin d'un Rousseau, ni pour cela de nier du même coup toute possibilité d'une découverte humaine de la langue. Comme son prédécesseur, Rousseau commence avec le cri de la nature à partir duquel devait naître la langue humaine. Je ne vois pas comment elle n'en aurait jamais pu naître et m'étonne que la perspicacité de Rousseau ait pu le conduire un instant à cette idée. Herder accorde à l'animal une langue des émotions, ce sont ses termes, considérés comme, à nouveau je reprends les termes de Herder, loi de la machine sentante et qui compose une partie de l'instinct d'un animal qui est limité à sa sphère restreinte. Chez l'homme, seul le nouveau-né est limité à cette langue des émotions qui ne représente en aucun cas les racines, mais seulement la sève, c'est à nouveau le terme de Herder, du langage humain. La disposition de l'homme, la circonspection, est synonyme d'une utilisation, au moins individuelle, interne de la langue humaine, toute action humaine étant tributaire des signes, ou de ce que Herder appelle les mots de l'âme. Herder conteste les deux apories de l'origine du langage qui sont identifiées par Rousseau dans le second discours, à savoir premièrement l'impossibilité de déterminer la primauté entre société et langage, et deuxièmement entre langage et pensée. La première aporie est balayée par Herder par l'affirmation d'une sociabilité naturelle de l'homme qui est liée à sa sphère d'action large, tandis que la seconde est résolue par la distinction de l'homme et de l'animal, la disposition de l'homme, la circonspection rendant la langue, ne serait-ce qu'interne, naturelle, et la convention étant issue d'une résonance de la nature en l'homme. Je ne vais ici m'intéresser qu'à la seconde aporie, celle entre langage et pensée, comprenant en filigrane le problème de la convention, et je me contenterai d'indiquer que la première aporie peut trouver dans la définition de l'âme comme espèce historique et liée à la question du langage naturel, considéré comme fondateur d'une proto-société à travers les cris d'appel à l'aide, qui sont des cris d'appel à une pitié non plus seulement naturelle, mais déjà un peu développée, une solution, donc utilisation du langage naturel et la reconnaissance de l'homme comme espèce historique permet de trouver une solution au sein même du second discours à la première aporie. Donc restons dans la seconde aporie et dans le second discours toujours, où Rousseau propose bel et bien de rendre compte des, vous rappelez du terme, embarras de l'origine des langues, en partant du premier langage de l'homme, c'est-à-dire des cris de la nature, puisqu'il suit la théorie condillacienne qui est développée dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines. Herder ne se trompe pas non plus quant à la difficulté que représente le passage des cris de la nature au langage articulé. Si Rousseau voit dans les gestes le moyen d'une communication plus complexe nécessitant une convention minimale, ce langage gestuel est d'ailleurs poussé à son paroxysme dans l'essai sur l'origine des langues en tant que langage des besoins, la transformation du langage gestuel en des sons articulés est problématique, la convention ne semblant pouvoir s'établir qu'à travers la parole qu'elle doit elle-même rendre possible.
La difficulté majeure menant à la seconde aporie et distinguant radicalement la théorie rousseauiste de la théorie herderienne ainsi que de la théorie condiacienne concerne les abstractions que Rousseau définit comme étant des opérations pénibles et peu naturelles. Ces deux adjectifs employés pour caractériser les abstractions sont particulièrement intéressants, puisque les abstractions sont peu naturelles en sens qu'elles demandent non seulement la réflexion, qui est une dépravation de la machine ingénieuse dans l'état de nature, mais également le discours, lui-même incompatible avec l'autonomie, puisqu'issu, nous l'avons vu, des cris naturels et supposant dès lors l'instauration d'une certaine forme de société, même minimale. La pénibilité, quant à elle, conforte le caractère non naturel des abstractions, puisque les efforts nécessaires à l'abstraction sont incompatibles avec la définition de l'homme naturel. Pour Herder, de telles difficultés sont parfaitement incompréhensibles. La disposition de l'homme fait de lui un être nécessairement capable d'abstraction. Le lien entre la langue des émotions et le langage humain est de ce fait un lien fort lâche. Pour Rousseau, dans la perspective évolutionniste du second discours, il faut rendre compte du passage des simples idées issues des sens, reconnues par tout animal, à une pensée abstraite, nécessairement discursive, propositionnelle. Les abstractions sont issues de propositions et sont nécessaires pour que les noms propres deviennent des noms communs. Vous vous rappelez certainement que quand l'homme, c'est l'exemple que donne Rousseau, quand l'homme rencontre un chêne, il l'appelle A, quand il rencontre un autre chêne, il l'appelle B, etc. Si Rousseau a fait donc de l'homme un animal, c'est peut-être bien sur ce point, l'homme naturel étant borné à un monde peuplé d'individus, A, B, C, en ce qui concerne les chaînes par exemple, qui ne peuvent être reliés les uns aux autres à travers l'abstraction, reflétant ainsi l'autonomie des composantes de l'état de nature. Si Rousseau a fait donc de l'homme un animal en ce sens restreint, c'est parce que, ne considérant pas l'homme naturel comme étant disposé au point de le distinguer phénoménalement de l'animal, il ne souscrit pas non plus à l'analyse au sens condiacien du terme, permettant à tout animal d'être capable d'abstraction, ce qui motive certainement la critique de Herder envers Condillac. La réponse de Condillac à Rousseau dans une note de la grammaire illustre cette divergence. Je vous lis une partie de cette note qui est assez longue. Je suppose seulement que les hommes ont eu des besoins et qu'en conséquence, ils ont observé non les propriétés des choses, mais les rapports sensibles des choses à eux. Et ils les ont observés parce qu'ils les sentaient et qu'ils ne pouvaient ne pas les sentir. Ces rapports connus ou sentis commençaient à leur donner des idées, mais des idées imparfaites, qui les laissaient dans l'impuissance de faire des définitions ou qui ne leur permettaient d'en faire que comme nous en faisons souvent nous-mêmes. Ces idées, telles qu'elles étaient, suffisaient pour faire remarquer des ressemblances et des différences entre les choses, et par conséquent, pour avoir des dénominations communes et génériques, et pour distribuer les êtres dans différentes classes. Tout cela ne demandait que cette portion de métaphysique qui est en nous, même avant que nous sachions parler et que les besoins se développent dans les enfants. Rousseau ne souscrit pas à la pensée toujours déjà propositionnelle telle qu'elle est définie par Condillac. Au contraire de l'abbé français, Rousseau ne développe pas une sémiologie permettant de passer des signes accidentels aux signes naturels puis aux signes institués qui constituent la théorie de l'origine du langage pour Condillac. Sortir de l'embarras de l'origine des langues par des moyens purement humains, donc contrairement à ce qui est énoncé dans le second discours, réclame, et ce en accord avec Herder, un nouveau point de départ signifiant également une redéfinition radicale du langage. Dans l'essai sur l'origine des langues, les cris naturels ne sont plus la source des langues. La voix se substitue aux cris. Le langage n'est plus issu des besoins, mais des passions. S'éloignant d'autant plus de la perspective condillacienne, l'homme, comme créature passionnelle, pourrait satisfaire Herder puisque cette définition pourrait correspondre à une disposition distinguant clairement l'homme de l'animal. En conclusion, un siècle avant l'acceptation des perspectives transformistes, et si nous reconnaissons que l'essai est postérieur au second discours, Rousseau s'éloignerait puisqu'il ne s'approcherait de l'évolutionnisme. Pourtant, et c'est bel et bien à une théorie passionnelle que Darwin, ami de Rousseau insoupçonné, fera appel lors de son traitement de la question des origines du langage.